Enregistrement. Voilà, peut-être un peu de musique partagée, l'audio. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire les bras. Donc pour ceux qui sont coincés, surtout au niveau des bras, ça va pas être une séance violente, mais on va travailler les longs muscles et les articulations au niveau des bras. Soit vous avez des poids jusqu'à maximum 1,5 kg, parce qu'après sinon ça va être trop difficile. Ou pas de poids d'ailleurs, et des oreillers pour le yoga des épaules et du bras qu'on fait en deuxième partie. Allez, on est parti, vous êtes toutes prêtes? Ça y est, Mumu a la lumière et le son à tous les étages. Tout va bien. Merci. Bon, c'est parfait alors. Nickel. Les chiens sont prêts. Regarde. Ah, ils ont déjà. Ah, ils chauffent le tapis déjà, c'est pas mal. Allez. On chauffe bien les articulations des poignets, des doigts, des coudes. Alors, je sais que la caméra est là, mais je vous regarde là parce que je n'ai pas voulu déranger ma mémère chat qui prend la table de l'ordinateur. Donc, j'ai déplacé l'ordinateur sur la table. Allez. Et les épaules. Bien haut et on descend. Bien haut, on ouvre et on descend. Quand on fera les mouvements en deuxième partie de plutôt des mouvements de yoga, donc on va plutôt commencer par des mouvements de pilates et après au yoga. On va aligner et ouvrir tous vos chakras, et notamment le chakra du cœur, vous allez voir.
où je fais semi-squat juste pour étirer ici et travailler sur les abdos. Voilà, c'est bon. Alors, comme Anne-Marie n'a pas bien chauffé tout le haut, avant de prendre les toits, on va aller chauffer ici les épaules un peu plus en ouvrant. Donc, on souffle quand on ferme, on inspire quand on souffle, quand on ouvre ici le plexus, etc. Et le principe, c'est de souffler en resserrant le nombril et en serrant vraiment la bouche de la tête. Quand vous ouvrez, vous essayez de faire toucher vos omoplates. Voilà. Et toujours avoir cette image que votre colonne s'étire, c'est-à-dire que vous avez le coccyx qui veut aller vers le sol et le sommet du crâne qui s'ouvre vers le ciel, comme un fil d'Ariane. On va le choix. Vous prenez les poids selon vos capacité ou rien du tout. De toute façon, c'est le mouvement qui est primordial au départ. Okay, ce qu'on veut, c'est aller libérer les ganglions qui retiennent là sous les bras et muscler la partie épaule-bras. Donc, premier mouvement très simple, on vient monter et on descend. La difficulté, en fait, c'est de rester en rétroversion, de faire avec la respiration. Donc ici, on inspire, donc on ouvre la cage thoracique, on remplit d'air, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle en descendant, on rentre bien le ventre. Et donc les lombaires restent stables. Pas de bascule, on ne creuse pas. Ok ? Imaginez que vous êtes le long d'un mur et vous avez le bassin, les omoplates et le dos du crâne à plat contre le mur. Allez, on est parti. On inspire bien haut, hauteur d'épaule. On souffle, on redescend. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ici, on fait que les coudes et on les redescend. On inspire, on monte les coudes. On souffle, on descend. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Dernier. On reprend devant. Deux. Attention, pas de bascule du bassin. Trois. On ne cambre pas. Si jamais on sent qu'on cambre, on monte moins haut. Dernier. Et ici sur le côté. On souffle bien en bas, on rentre bien le nombril. Dernier. Et on prend. Troisième série devant. Tendez bien les bras. Dernier. Côté.
Le but, c'est de bien faire bouger les nerfs dans la gaine et de bien travailler les muscles longs. Pas de devenir comme Charlie. Dernier. Et ici, on descend, on souffle en bas, on redresse. Donc, on vérifie bien l'alignement. On inspire en haut et on descend. Laissez bien vos épaules basses, bien alignées. Mince, je n'ai pas vu, mais mon t-shirt, il est tout beau. Ça fait classe. Papa. Mais c'est quand j'ai pris Kitty ce matin, je crois. Ah, t'as acheté une babette. Ouais. Va dire à tout le monde que tu es sale. Ouais, c'est ça. Mais j'ai ma vieille minette qui perd du sang quand elle va aux toilettes. Donc après, quand je la prends en bras, et bien, si je ne me vérifie pas. Voilà. Encore un de chaque côté. On revient devant. Ici, on va venir travailler l'arrière du bras, là, vous savez, le ballon des mémés. Donc, au choix, soit une seule haltère dans la main, soit les deux dans une main. On vient ici mettre la paume de la main derrière le coude et on passe devant. Hein. Vous respectez bien l'articulation d'épaule. Et vous venez devant. Alors, je me mets sur le genou pour vous montrer. Le biceps contre l'oreille, la tête droite, vous êtes bien aligné au niveau de la colonne. On inspire en haut, on souffle, on descend entre les omoplates. On inspire en haut, on souffle entre les omoplates. Donc quand on souffle, on contracte bien les abdominaux, on rentre bien le ventre. On va éviter les coucou mamie comme ça. Voilà. Exactement. Allez, encore un. Dernier. Et vous ramenez vers devant. Et on part de l'autre côté. Et bien en haut. Vous faites attention à l'articulation du coude. Et on monte. Pas de cambrure. Hein. Vous êtes bien rétroversé. Vous avez le dos bien plat. Hein. Dernier, et vous ramenez par devant. Ça va ? Vous pouvez oui. Faire des petits mouvements d'épaule si vous avez besoin, des petites ouvertures. Boire un coup aussi, c'est important de s'hydrater. Et on est parti. On va venir travailler sur une ouverture. Alors, je ne veux pas une ouverture trop haute, parce que sinon ici, vous allez faire une pression dans le mauvais sens au niveau de l'épaule et vous risquez d'avoir un pincement. Donc la bonne ouverture, en général, on dit c'est 70 degrés. Donc l'angle ici doit être aigu. C'est parti. Allez, on lève, on baisse. On inspire en haut, donc on gonfle le ventre, les poumons. On souffle en bas. Toujours cette ligne droite là, hein, de la colonne vertébrale. Dernier. On souffle.
Ici, on vient devant, pareil, bras tendus. Donc ici, souffle. Ici, on tend. Souffle, on tend. Devant, en croisé, pour bien appuyer sur les ganglions qui sont sous l'aine, pour augmenter la circulation. Donc on inspire, cage thoracique grand ouverte, les épaules basses, le dos bien droit. Quand on souffle, on tend le bras, on ramène. On ramène. On ramène. On ramène. Gardez le dos bien droit, ne bouge pas, et dans le prolongement de hanche. Et encore un. Et de l'autre côté. On inspire en bas, on souffle en haut. Inspire. Ici, le bras il est semi-fléchi. Il faut bien faire le mouvement du nerf dans la gaine. Pour garder la mobilité du haut du corps. Super. Dernier exercice en haut avec les poids. On vient ouvrir ici. Donc, on ouvre la cage thoracique. On remplit le ventre. Hop là. Que je vous montre en même temps. Donc là, ça fait Obélix. Là, qu'on vous montre. Obélix, n'importe quoi. Et d'accord, je montre le truc par-dessus le t-shirt, ça fait Obélix. Ouais. Donc ici, on remplit d'air. Donc, je vous montre avec un seul bras. Mais c'est les deux qui font la même chose. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on a les épaules ici qui viennent derrière. Pas forcément se toucher, mais elles s'ouvrent. Ce que je veux pas, des haussements d'épaules. Hein. Les épaules sont basses. On inspire. Ici, on creuse. On serre, on ferme les mains devant. On inspire. On ferme. Ok ? Allez, on est parti. On inspire derrière, on sort la poitrine, on baisse les épaules, on ouvre le thorax, on touche les omoplates, on ferme, on serre les abdos, loin devant, et là, on tend les bras. Ici, les bras sont semi-fléchis à l'arrière, on ouvre, on remplit d'air. On serre le ventre, on tend les bras. Donc, respiration pilate par le ventre. Et on serre toujours les abdos. Allez, dernier. Super. On revient ici pour bien baisser les épaules et bien les mettre dans leur logement pour la journée. Donc ici, on descend, on souffle, on sent qu'on travaille les abdos, les obliques là de chaque côté. On inspire en haut, on souffle. Gardez les épaules basses, la ligne du dos bien droite. En fait, quand vous inspirez que vous êtes droit, c'est facile d'imaginer que vous êtes tiré par le sommet du crâne, par le chakra couronne. Vous prenez l'énergie, vous crachez sur les côtés, les toxines, ou ce que vous ne voulez pas de la journée. Allez, un dernier de chaque côté. Super. On va aller poser les poids et on va les descendre au tapis. Donc,
un petit coussin quand on sera au sol, ou une brique pour surélever le fessier d'abord. Donc ici, on se met au bout du tapis, pied ouvert vers la hanche ou l'épaule, comme vous le sentez, bassin rétroversé, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on enlève les mains bien au-dessus de la tête, on ouvre à fond, on souffle, menton, poitrine, on referme les épaules, on arrondit juste la colonne. On serre nos bras. On reprend une inspiration, les bras loin devant, on ouvre bien. Et cette fois, on va vider en descendant au sol, en enroulant. On inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux. Et sur l'inspiration, on vient se mettre en tailleur ou en papillon, selon la possibilité pour nos genoux. On va rester ici quelques instants pour bien passer sur une respiration yoga. Donc, on inspire par le nez et au choix, on souffle par le nez ou par la bouche, mais tout doucement, en faisant un. Et sentir que vous lâchez les mains au choix, soit sur les genoux, donc pour ceux qui sont en papillon parce que les genoux sont difficiles, la pliure, ça donne ça, cette colonne là bien bien allongée, imaginez-vous toujours le dos, les omoplates, la tête contre un mur, vous étiez bien droit. Vous inspirez en prenant l'énergie. Remplissez bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Ah, qui dit elle tous. On bloque et on souffle. Donc d'abord les poumons, les côtes flottantes. Et on vient rentrer le ventre. Là, vraiment, on se maigrit, comme si vous éboulez un pantalon, trois tailles trop petites. Et on fait comme ça trois respirations profondes. Donc on inspire par le nez. Il n'y a que la colonne qui se grandit, hein, les épaules sont bien basses. On serre le ventre. Et on fait une troisième respiration. On vient amener les mains l'une contre l'autre et ici on va pousser. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre une pression de par vos biceps, de par vos avant-bras, mais surtout en maintenant les épaules basses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez sentir la pression ici quand vous soufflez, que vous voulez refermer les côtes. Et donc je vous ai dit, hein, on va travailler surtout sur l'ouverture et l'alignement du chakra gorge, cœur et plexus solaire. Alors, chakra gorge, là c'est le plexus, c'est le chakra du cœur, mais celui du périnée. Racine, merci. Racine. Voilà, pour bien avoir l'ancrage pour votre semaine. OK ? Donc, les épaules sont basses. On vient joindre les deux mains ici devant la poitrine. Donc, ça va être au choix selon la souplesse de vos poignets, soit au niveau du chakra gorge, soit au niveau du chakra cœur. Et on vient souffler en appuyant les paumes de main l'une contre l'autre. Donc, on inspire, on détend. Les épaules basses, on se grandit, on prend l'énergie et la lumière par le chakra couronne au-dessus, là, on sent qu'elle nous pénètre jusqu'aux orteils,
Et on souffle en appuyant paume contre l'autre et en refermant vite les poumons, les côtes flottantes. Et on va accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Allez, vous prenez bien conscience de la respiration que vous êtes en train de faire. Vous nourrissez tout votre corps d'air pur, d'amour. Et vous soufflez par une contraction musculaire de tous vos bras, vos épaules. Et on reprend. On inspire en détendant les épaules et les bras. Et on souffle. On aspire. Oui. On peut aussi inspirer par le chakra racine pour se laisser aussi pénétrer par l'énergie de la terre, par le périnée et laisser remonter jusqu'au cœur aussi. Oui, mais on va le faire après quand on va croiser les mains. Ok. Là, j'ai besoin que vous vous ressourciez pour pouvoir évacuer les toxines. En fait, on joint le yoga pour faire un étirement de tous vos épaules, votre nuque, etc., pour être libéré d'action et de pensée pour la semaine. Ok. Allez, on fait une quatrième fois. Et on relâche. Ça va les épaules? Donc maintenant, on va y mettre de l'intention. Alors, l'intention, c'est quoi? C'est ce que vous avez envie de réaliser dans la semaine, mais ça peut être aussi de l'intention de vous faire du bien. C'est un moment pour vous, donc vous pouvez avoir des intentions de libération comme des intentions d'accession. C'est quelque chose que vous devez vibrer. Je vais vous faire un mouvement particulier. Vous allez voir, vous allez sentir les vibrations et l'énergie du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Donc ici, on vient d'abord poser le coude gauche devant la poitrine, le coude droit par-dessus le coude gauche. Et là, c'est selon la souplesse des poignets. Soit vous allez mettre vos mains dos à dos, donc vous avez le poignet gauche, là, enfin les doigts gauche contre le poignet droit. Soit vous venez croiser et vous attrapez à ce moment-là avec vos doigts le poignet droit. D'accord ? C'est au choix. Le but étant, pendant la respiration, de descendre les coudes le plus près possible du chakra cœur et de descendre les doigts vers la caméra. Vous allez sentir que vous allez travailler ici toutes les cervicales et les omoplates là derrière. D'accord ? Vous allez détendre complètement les articulations des épaules et de la nuque. Donc, je reprends. Allez, on est parti. Sur quatre respirations. Donc, le coude gauche, le coude droit à l'intérieur. On croise ou on met dos à dos. Ici, on inspire. Et comme l'a dit Jess tout à l'heure, on inspire en prenant l'énergie de la terre par le chakra racine. Et on le fait monter en énergie, donc en inspirant le plus haut possible vers le plafond et on descend les coudes et les poignées de main pour aller vers le bas puisqu'on prend l'inspiration par la terre. Et on souffle en remontant doucement. Et vous allez sentir l'étirement ici au niveau de vos épaules. Allez, on est parti. Donc on inspire, on descend les coudes et les mains vers le sol. On bloque. On souffle, on remonte les coudes. Pas trop solliciter les épaules. Attention, on ne remonte pas les épaules. Hein. Les épaules, elles restent basses. On inspire, on descend. On se nourrit de l'énergie. On souffle, on remonte. Inspire. On souffle, on remonte. On inspire.
On inspire. Et c'est seulement en haut qu'on décroise les mains et les coudes. Normalement, vous sentez bien l'étirement ici de toutes vos épaules et de toute votre nuque. Bien sûr, on va le faire de l'autre côté. Donc, on monte cette fois le coude droit. On vient poser le coude gauche à l'intérieur du droit. Et pareil que tout à l'heure, soit les mains dos à dos, soit on attrape le poignet, on pince et on descend. Les coudes, les mains, et on inspire en se remplissant de l'énergie de la terre. On souffle, on remonte. Et ça. Et on descend les épaules. Si vous sentez que vous avez bien travaillé au niveau du l'étirement au niveau là en haut, on va venir ici prendre la main avec la main gauche, le coude droit, on vient poser sur l'omoplate là et on fait comme ça de la cupression avec les doigts sur la respiration. Pour bien détendre des tensions qu'on pourrait avoir. Alors, c'est le début de la semaine, donc ce n'est pas les tensions de la semaine, mais des tensions de la vie en général qu'on pourrait avoir et qui sont venues se poser comme un sac à dos sur les épaules et qu'on va lâcher et laisser partir. Donc, c'est comme si vous pétrissiez doucement avec les quatre doigts de votre main droite, l'omoplate, et vous revenez tout doucement vers l'épaule sur 3-4 respirations. Attention de bien garder votre colonne bien droite. Hein. Vous ne vous tournez pas. C'est pour ça qu'avec la main gauche, on vient lever le bras droit, qu'il n'y ait pas de sollicitation musculaire, que ce soit bien le bras gauche qui mène la danse. Et on va faire pareil avec l'épaule droite. Continuez d'avoir la conscience de la respiration. Allez, vous nourrissez bien toutes vos cellules d'énergie pour une belle reconstruction pour la semaine. Et on descend. On va maintenant se mettre au tapis. Alors, au choix. On descend comme ça. Et c'est là que je vous disais, soit vous avez un rouleau, soit vous avez un gros coussin ou une grosse couverture roulée. On va venir y mettre nos omoplates. D'accord ? Quand on est dans une salle de yoga, on a des rouleaux sur lesquels on vient se mettre. Donc, vous mettez le fessier suffisamment loin du rouleau pour que le rouleau soit dans vos omoplates ici. On fixe bien les pieds dans le sol et on va descendre, hop, poser les omoplates sur le rouleau. Alors un coussin, ça se déplie, voilà. Et quand vous sentez que vous avez bien un rouleau sous les épaules, ici on va venir arrondir le dos et aller poser la tête contre le sol. Si le rouleau est trop haut, vous pouvez poser un petit coussin ou une brique de yoga pour poser la tête. Et le but, c'est ici d'ouvrir le chakra cœur, d'ouvrir les omoplates. Une fois qu'on est dans cette posture, on vient ici allonger les jambes,
On ouvre bien tous les canaux de circulation. Détendez au maximum vos jambes. Vous sentez ici que vous avez le rouleau au niveau des omoplates. Et on vient inspirer en levant les bras, bien centrés pour respecter les épaules. Et on vient poser les mains de chaque côté de la tête, largeur d'épaule. Laissez aller sur la respiration. Donc là, quand vous inspirez, plus vous inspirez par les poumons, plus vous allez sentir l'ouverture du plexus, donc l'ouverture du chakra cœur, plus ça va vous faire travailler la reconstruction des cellules pulmonaires et de vos poumons, de vos bronches, etc. Vous allez avoir une libération de toutes les toxines inspirées et vous laissez aller. Vous concentrez sur 4 respirations. T'as fini, Chacha? Sochi. Sochi. Allez, encore une fois. Voilà, on ramène les mains en les fermant sur la poitrine. On ramène une jambe après l'autre. On bascule sur le côté droit ou sur le côté gauche. On enlève le coussin ou la couverture. Et maintenant, je vais vous faire mettre sur le ventre. J'espère qu'on voit assez. Ici, vous mettez. Alors, je vais me mettre dos à vous, comme ça vous verrez mieux. Et peut-être je vais bouger la caméra parce que sinon vous n'allez pas voir mon mouvement. Ici, on est sur le ventre. On a le bras, donc pour moi vers la caméra, ce sera le bras gauche, sur le tapis. Ici, la main droite, elle vient se poser sous l'épaule. Donc ici, vous êtes bien à plat, le bras tendu à hauteur d'épaule. On vient poser le côté du visage vers le bras fléchi. Et on va pousser sur le bras fléchi pour se redresser et étirer tout l'intérieur de l'épaule, du bras, de la poitrine. Vous devez sentir l'étirement interne. Vous avez forcément aussi un étirement au niveau des omoplates. Ici, vous inspirez 4 fois, enfin, vous faites 4 respirations complètes. Dans un bel alignement. Si vous ne savez pas tenir la tête en hauteur, vous pouvez la poser sur un coussin ou sur une brique. Mais ne me cassez pas le cou. Laisse le corps repartir sur le ventre. Et on change. Le bras qui était fléchi, il est tendu. Le bras qui était tendu, il vient se mettre la main sous l'épaule. Et on repart sur le côté opposé. Arrête, tu me fais mal. Il ne veut pas faire la même chose. Ils aiment bien les chiens aussi te frotter. Le haut du corps au sol. Il me gratte là, l'épaule. Ah. Avec ses griffes, ça fait mal. Ah oui. Vous avez fait 4 respirations profondes. Vous revenez à plat ventre. Ici, on ramène cette fois les deux mains de chaque côté des épaules et on vient faire un semi-quadra sur l'inspiration et on souffle.
Alors, vous pensez, quand on fait un semi-cobra pour éviter d'avoir mal au lombaire, ici, vous devez vraiment avoir le bassin rétroversé, les hanches dans le tapis, et pour forcer cette position qui n'est pas forcément facile au tapis, sur le ventre, on ouvre les pointes de pied en extérieur. Donc ici, on inspire et on souffle. Inspire. On redescend, on souffle. On souffle. Une dernière. Et là, au choix, soit vous partez pointe de pied en gainage complet, soit vous restez sur les genoux. C'est vraiment par rapport à vos capacités au niveau des épaules et des abdominaux à tenir la planche ou bien la semi-planche sur les genoux. Donc, pas de douleur, vraiment en douceur. Quand vous êtes en planche, vous ramenez les genoux vers le tapis où vous les avez déjà posés et vous venez ici fléchir, donc avec un coussin sous les genoux s'il y a des douleurs, pour mettre la tête contre le sol et vraiment finir d'étirer les omoplates, le haut du corps, le plus possible. Donc, quand on peut, on va poser les fessiers sur les talons. On laisse les bras bien tendus. Et là, vous pouvez faire des respirations en soufflant la tête sous le bras gauche. Inspirez au milieu. Et on souffle la tête sous le bras gauche. Faites trois respirations de chaque côté. Vous ramenez les mains de chaque côté du corps. Vous attrapez les talons si vous pouvez. Et vous essayez sur trois respirations de bien étirer ici la colonne vertébrale, enfin tous les muscles de la colonne vertébrale, en coinçant votre sangle abdominale et votre poitrine sur vos cuisses pour bien sentir l'étirement, les épaules basses, la tête est toujours tirée par un fil imaginaire. Bien poser les deux mains de chaque côté des genoux. On déroule la colonne. On vient se mettre sur le pied à plat. On pose les mains devant les orteils. Et on déroule les jambes, la tête vers le bas, le plus longtemps possible. On pince. Ici, vous pouvez laisser aller vos bras, droite, gauche. Bien détendre. Si vous avez envie de chauffer vos jambes, vous pouvez. Et là, le but, c'était de travailler les bras. Les mains de chaque côté des genoux, on fléchit et on vient dérouler la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on prend une dernière énergie. Oh, du soleil. On fléchit les genoux et on lâche. Et voilà, on a fait le plein pour la journée. Merci, Christine. Merci. Merci. Super. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai...